The Dantian Qigong. Le Qigong du Dantian. Now we know as a second brain Qigong. Nous le connaissons maintenant comme le Qigong du deuxième cerveau. Now we know that we have left and right brain. Nous savons que nous avons le cerveau gauche et le cerveau droit. Now it's two brain. Ça fait deux cerveaux. Now we also know that mean in the 4,000 years they don't call brain, but they call Dantian. Pendant des milliers d'années, on l'a appelé Dantian et non pas cerveau. So I think this is one of the oldest practice that actually practicing the brain, the Dantian. Je crois Dantian. Que c'est une technique une très ancienne qui travaille sur le Dantian, le cerveau. Okay. So the Dantian is so much involved with the center of the body. And in the Tao always said lower your brain down to the heart brain, down to the Dantian brain. Dans le Tao, on dit souvent d'abaisser la pensée au cerveau du cœur, puis au cerveau du Dantian qui se trouve au centre. But they mention by mind. Mais on utilise la pensée. So they actually talk about three minds into one mind. On parle de trois pensées en une seule. The center is a brain. It's been known for a long time. That means 100 years now in the West. Et maintenant, on sait depuis 100 ans en Occident que le Dantian est comme un cerveau. All the practice in the Tao is so much involved with the lower your center and hold your center, so everything become down. When people emotional, angry, it go up. Alors, la pratique sur le Dantian, d'abaisser sa pensée vers le Dantian, permet d'abaisser. Alors que quand on devient émotionnel, en fait, les émotions montent. So the qi getting too high, and we said he lost his center. Et le qi à ce moment-là s'élève, est trop haut, et on dit de la personne qu'elle a perdu son centre. So when people very angry, they lost their center. Et quand quelqu'un sent beaucoup de colère, il perd son centre. Now how quick and how fast you can get back to your own center again? Boom. Et à quelle vitesse pouvez-vous revenir à votre propre centre? The Dantian become giving you a structure rather than getting too high. Le Dantian donne une structure et évite de s'élever, de monter. So it really gives you a certain kind of what we call by too high high center or lower center. When you have too high center, it's stuck in the energy stuck in the chest and the head. L'énergie se bloque dans le cœur et dans la tête quand elle monte trop. So the Dantian Qigong is so much involved with learn how to breathe into your center and learn how to sing your mind into the center. Le Qigong du Dantian, en fait, il s'agit surtout d'abaisser sa pensée et sa respiration dans le Dantian. So when you lower your abdominal breathing, you are lowering everything down. En faisant la respiration abdominale, à ce moment-là, on abaisse. We're also going to have a bottle breath. Bottle breath, that means you inhale, hold it, and you move. Like a bottle, you have water in and you move. The water up and down. Il y a aussi la respiration que l'on appelle la respiration de la bouteille, puisque en respirant, après on retient et avec un petit mouvement, le niveau s'abaisse peu à peu. And if you laying down, you can feel that you can use your Dantian power to press to down to the ground, and you feel you are more connecting to the earth. Quand vous vous allongez, vous pouvez en vous connectant au Dantian. À ce moment-là, vous connectez mieux à la terre. So this is a second brain. Voilà le deuxième cerveau. And it's when the West started to interesting in the second brain and they discovered this abdominal brain in the intestine has the same brain as the upper brain. L'Occident s'intéresse à cela et a découvert que le cerveau qui se trouve au niveau des intestins a un lien avec le cerveau de la tête. It can send and receive. Il peut the impulse. Envoyer et recevoir l'impulsion.
recording the experience, se rappeler de l'expérience, respond to emotional, et répondre de manière émotionnelle. So it works like a brain. Il marche comme un cerveau. With this, the West still haven't very into research that what emotional affecting what organs. Et les recherches occidentales montrent que les émotions affectent les organes. But we know this abdominal brain can recording experience and respond to emotional. So it's recording thing, because it's like a brain, it's recording thing. On sait que le cerveau abdominal enregistre les expériences et répond de manière émotionnelle. Now the Taoism believe that the organs, like a storage house to store all the emotional. Dans le Tao, on croit que les organes sont comme un entrepôt qui stocke toutes les émotions. So when we clear the organ, because organ is one by one, brain is so big. If you go to the brain, you don't know what to look for. Les organes sont bien séparés. On peut les faire un par un, alors que le cerveau est énorme et on ne sait pas par quel bout commencer. So when you get the when you know where the organ and what the emotional, you can clear them out very easy. Et quand on sait où se trouve l'organe et à quelle émotion correspond, à ce moment-là, on peut le nettoyer. On peut le nettoyer facilement. This is the research of one of the doctors that he discovered the second brain. Voilà la recherche d'un docteur qui a découvert le second cerveau. Okay. So in the abdominal intestine, last intestine, and actually now they discover that all the organs have a brain. Alors ils l'ont découvert dans l'abdomen, l'intestin grêle, le gros intestin, mais c'est aussi vrai pour tous les organes. Tous les organes ont un cerveau. And they have the very similar like the brain here. So it looks very similar. Et il ressemble beaucoup au cerveau qui se trouve dans la tête. And also they discovered their heart brain. Ils ont découvert aussi le cerveau du cœur. So that's why a training of lower the mind to the heart brain, lower the heart brain to the Tantian brain is very important practice in the Tao practice. C'est pour cela que abaisser la pensée dans le cerveau du cœur, puis dans le cerveau abdominal, c'est une pratique très importante dans le Tao. We grow from in the baby, the first thing you so big is grow from the abdominal first. Et on voit qu'un bébé grandit en fait à partir de son abdomen. So I think that when it started to grow from a cell, it stick on the placenta and it grow. Il commence à partir d'une cellule qui s'accroche au placenta et grandit à partir de là. So the abdominal brain actually grow before upper brain come. Et donc le cerveau abdominal grandit d'abord avant les autres cerveaux. And everything from the air, from the nutrition, from everything, it come into the abdominal, into the umbilical cord, and go out into the body, feed to everything. Et la nourriture, l'oxygène arrive par le cordon ombilical dans l'abdomen et à partir de là nourrit tout le corps. So the heart brain generates a lot of electricity. Le cerveau du cœur génère beaucoup d'électricité. So the Tantian, when we talk about Tantian, we're talking about a lot of back Tantian is a lot of psoas muscle. Et quand on parle du Dantian, il faut prendre en compte les muscles psoas. And when the psoas muscle are uneven, it pull and it's going to be hurt the whole spine. Si les psoas sont trop contractés et tirent trop, ils peuvent abîmer la colonne vertébrale. So the Tantian Qigong and I Qigong, they are matched, they're so close together, but the Tantian, you have more position. Le Qigong du Dantian et End sont deux Qigong très proches. So we have the intestine, the small intestine, last intestine. On voit le petit intestin grêle, le gros intestin. And that is the consist of the major Tantian. C'est la partie la plus importante du Dantian.
And your kidney, liver, spleen, pancreas also part of the whole dantian. Et les reins, le foie, le pancréas aussi font partie du dantian. So able to see and image your organ is very important. Être capable de voir et de visualiser son organe est d'une grande importance. So the next thing we're going to the whole thing in why we so much about perineum. Et aussi l'importance du périnée. Because it's so much involved with contracting the perineum and this. Cette pratique aussi inclut la contraction du périnée, de l'anus. So we said the perineum actually is the floor, the lower floor. Le périnée est comme un plancher. Very small, but a lot of weight are pushing down here. Il est très petit, mais il y a beaucoup de poids qui le pousse vers le bas. Men, if this one not strong, you get a hernia. Et si les hommes n'ont pas le périnée assez puissant, à ce moment-là, ils ont des hernies, des hernies. Because the floor is weak. Puisque le plancher est faible. So this perineum and strengthening perineum and make it strong and make the most important part is make the organ have qi so it don't sack on each other. Ce qu'il faut, c'est renforcer les organes et leur apporter du qi. Comme ça, ils ne pèsent pas les uns sur les autres. So we're going to be all the practice is so much in why we pull up the perineum and this. Et toute la pratique, en fait, inclut cette contraction du périnée, de l'anus. So we're going to start with anus, front part anus, back, left and right side. On va commencer d'abord par le centre de l'anus, le devant, l'arrière et le côté gauche et droit. The theory is very simple. Every part of from the head, from the brain, from the even a hair has a weight stacked on the perineum. Alors il faut bien comprendre que le cerveau, la tête et même les cheveux ont un poids qui pèse sur le périnée. Because it's a floor. Puisque c'est un plancher. Like if we're on a top floor, if everybody standing or sitting, you put all your weight on the floor. C'est comme un toit sur lequel un plancher sur lequel de nombreuses personnes s'assient ou restent. So on the left side, if we said the left side. Donc sur le côté gauche, if you pull the anus, si vous contractez l'anus, vous le tirez. And you're really aware of your left side and you contract the anus and left side anus and your mind and your eye can focus and you feel energy coming up on the left side. So we said the left testicle, left ovary. Alors, en prenant bien conscience de la partie gauche de l'anus, à ce moment-là, avec les yeux et la pensée, on contracte l'anus et on sent dans le corps la partie gauche de l'anus qui se relève. To the ascending column, descending column. Et descending. Le colon descendant qui passe and par up to le the colon left descendant kidney. Et va jusqu'au rein gauche. And we're coming up to the spleen. Jusqu'à la rate. Lung, left lung. Le poumon gauche. Left part of the heart. La partie gauche du cœur. Thyroid, parathyroid. La thyroïde, parathyroïde. Et le cerveau gauche. Now in the right side the same. Left and right side testicle and ovary. Right ovary. Et pour le côté droit, c'est pareil. On commence par le testicule et l'ovaire so, droit. When you contract anus, right side anus, you feel an ascending column. Right kidney, liver, right lungs. Et vous sentez cette colonne ascendante qui passe par l'ovaire ou testicule droit. Puis par le foie et le rein droit. And come up to the right thyroid, parathyroid. Et vont jusqu'à la thyroïde et parathyroïde droite. Right eye. Right brain. L'œil droit et le cerveau droit. So when you do it, you're very gentle. You feel you guide the energy up. When you contract the perineum, you feel a line of energy go up. Et quand vous le faites de manière doucement, vous contractez le périnée, vous sentez l'énergie qui monte. Now middle chakra channel. Et maintenant le milieu. So middle line, anus go up to the crown.
So it's the vagina. Alors le tunnel du milieu, prostate gland, le vagin, la glande de la prostate, and the whole uterus, l'utérus, aorta vena cava, la veine cave et l'aorte, and we have the thrombus colon, le colon transverse, stomach, l'estomac, heart of the heart, le cœur, thymus, le thymus, thyroid, parathyroid, la thyroïde, parathyroïde, come up to the nose, jusqu'au nez, pituitary gland, la glande pituitaire, thalamus, le thalamus, hypothalamus, l'hypothalamus, and up to the crown, et jusqu'à la couronne. There's a whole line of energy come up. Il y a une ligne d'énergie, okay, qui monte. So we're going to do, and also it's so much involved with the brain. Et aussi il y a un lien avec le cerveau. They are more involved with the organ and the brain. So you see here the skull. So when you contract anus, you feel when you contract anus, left, right, contracter middle l'anus, anus, le milieu, la gauche, le droit. It activates the skull. Et ça active aussi le crâne. So you have the front part is the front anus, back part back anus. Et la partie devant, c'est correspond au devant de l'anus, et l'arrière du crâne correspond à l'arrière de l'anus. And the middle. Et le milieu. And you have the So and you have the right side, left side. Et la partie droite et la partie gauche. So it's the same thing like the anus. Comme l'anus. Middle, front, back, left, right. Le milieu, le devant, derrière, gauche, droite. And it affecting, you feel energy come right up to the brain. Et ça affecte, enfin ça a une influence et vous sentez l'énergie qui va jusqu'au cerveau. Let's start with reverse breathing. On va commencer avec la respiration inversée. So when you inhale, inspire, you exhale, expire. So when you inhale, you also lightly contract the perineum and anus. Quand vous inspirez aussi, vous resserrez, vous contractez légèrement le périnée et l'anus. And rest. Relax, aware your perineum anus. Soyez conscient de votre périnée, de l'anus. Very gentle contract anus. Et contractez doucement l'anus. Your mind and your eye contract and upward. Vos yeux, votre pensée contractez et montez là. Very important part, if you use too much force, your energy is stuck in the chest and you don't breathe very well. Et ce qui est important, c'est si vous utilisez trop de force, l'énergie va rester coincée dans la poitrine. So the every time when we finish, we always have a lung sound. Always get the energy from the head, from the heart, from the lung down to your tantien. C'est pour cela que quand on expire, on fait toujours le son du poumon pour amener l'énergie qui vient de la tête vers le cœur, puis vers le dantien. Gentle, soft, you feel a little bit contraction is the key. De le faire doucement et gentiment, de le contracter de cette manière, c'est la clé. Relax. Relaxez-vous. Smile to your anus. Souriez à votre anus. Not very good, huh? So, that is a very word to smile to your anus. C'est le moment de bien sourire à votre anus. Relax, smile. Relaxez-vous. Feel your anus. Sentez votre anus. You know, in the West, you say this is an asshole. You know. En Occident, on dit c'est un trou du cul. And this one is a holy hole. Et ce trou-ci en haut est un trou sacré. But for thousands and thousands years, thou discovered that. When you contract the anus, you draw the energy, boom, your crown activate. Et le Tao a découvert
depuis longtemps que, en contractant l'anus, à ce moment-là, on ouvre le point couronne, que le point couronne se contracte. So the asshole and holy hole, they are the same. They are connecting together. Le trou du cul et le trou sacré sont connectés. You cannot. Now, I have the testing in the Vienna, and it's proof that when you contract anus and you activate the brain. Il y a un test qui montre que quand on contracte l'anus, on active quelque chose dans le cerveau. And it's very important. And they call the PC scan. That means you contract your anus and PC muscle and you activate the brain. On contracte l'anus et le muscle PC et le cerveau se contracte aussi. So, relax, smile to your anus. Souriez à votre anus. Feel your anus. Sentez votre anus. So feel your anus. Sentez votre anus. Now contract, very gentle, contract anus, contract. Contractez-le doucement. Contract, and your eyelid contract in. Et contractez légèrement vos yeux aussi. And aware your left side of the anus. Et soyez conscient de la partie gauche de votre anus. And contract the left side. Contractez la very gentle. Partie gauche très doucement. And feel our energy when you connect with the earth. Because when you contract, the earth energy come up. Quand vous contractez, l'énergie de la terre monte et vous vous connectez à la terre. So, again, inhale. Inspire. Very gentle. Doucement. Feel energy come up on the left side. Sentez l'énergie qui monte. Don't worry about the organ. Just feel energy come up. Ne vous inquiétez pas des organes. Sentez juste can l'énergie. Be left ovary, left testicle, left kidney. L'ovaire. Come up. Gauche, le testicule gauche, spleen, le frein gauche, lung, la rate, le poumon gauche, left eye, le brain gauche et la hold for a moment. Et retenez pendant un moment. Exhale, relax down. Et en expirant, relax. Inhale, contract anus, rise, left side anus, up, eye, looking down, and eye roll up. Vers le bas, puis les yeux roule vers le haut. Exhale, sit down, sit a little bit, sit down. Et en expirant, asseyez-vous un peu. Inhale, press and stand up a little bit. En inspirant, vous pressez et energy vous come out vous relevez on the left un peu side. Et l'énergie monte dans la partie gauche. And exhale, relax. Expire en vous relaxant. Count yourself another six times, one. Comptez encore six fois. Gentle contract and light the energy up. Exhale, relax. Contractez, sentez l'énergie qui monte et expirez. Inhale, en anus, right side anus. Inspire, maintenant côté droit de l'anus. Eye roll up, look up. Les yeux qui roulent vers le haut. Exhale, drop your eye down. Et expirez en regardant vers le bas. And rest. Et reposez. Middle trunk channel. Et maintenant le milieu. Anus. La ligne du milieu. L'anus. Contract anus. Contractez l'anus. Contract anus. And feel energy come up from the anus come up. Et sentez l'énergie qui monte perineum, de l'anus au périnée. Perineum actually move up. Le périnée va vers le haut. And middle trunk channel all the way up. Et la ligne du milieu s'ouvre et vers up le haut. To the crown. Jusqu'à la couronne. Exhale, relaxing down. Expirez en vous relâchant. Inhale, anus. Inspirez, anus. Eye roll up. Les yeux roulent vers le haut. Look up. Up to the crown. Jusqu'à la couronne. Exhale, relax. Et expirez en relâchant. Inhale. Inspire. Up. Roll up. Les yeux vers le haut. Exhale. Expirez. Inhale. Inspire.
feel something. Ah, roll up, look up. Sentez à l'intérieur et roulez vos yeux vers le haut. Relax, exhale. Relaxez, exhale. Feel an energy, feel a contraction and something pull you upward. Sentez que quand vous contractez, que quelque chose vous pousse vers le haut. Now, right side. Maintenant, la partie droite. Right side, right anus. L'anus à droite. So first you contract anus. D'abord, vous contractez l'anus. Right side anus. La partie droite. Right testicle, right ovary. Le testicule droit, l'ovaire droit. Ascending column. Le côlon ascendant. Right kidney. Le rein droit. Liver. Le foie. Right lung. Le poumon droit. Thyroid, parathyroid. La thyroïde et la parathyroïde. Right droit. Eye. L'œil droit. Right brain. Et le cerveau droit. Feel it. Some energy, actually, when you contract, feel something pushing upward. Et sentez quand vous contractez que quelque chose vous pousse vers le haut. Hold for a moment. Exhale. Et retenez un moment. Relax, respirez, let go. Relâchez. Now inhale. Up. Gentle. Gentiment. Exhale down. Expire. Anus contract. Contractez l'anus. Right side anus. La partie droite. I roll up. Les yeux montent vers le haut. Exhale. Expire. Contract anus. Right side anus. Contractez la partie droite de l'anus. Exhale. Expire. And rest. Et reposez-vous. Now, you have a little bit more aware of your anus now. Maintenant, okay. Vous êtes un peu plus conscient de votre anus. So, we're going to be exhale. On va expirer. So when you exhale, when you're breathing in, quand your anus, you contract the anus. Quand vous respirez, quand vous inspirez, vous contractez l'anus. So you're going to be form part of the anus, and form part of the anus, you guide the energy come up. It's the same, but you are more. So you very emphasize the anus. So alors, when you sing, we touch the navel. We do the ancient qigong already easier now, but now we add up the anus. Alors maintenant, on va contracter la partie avant de l'anus et on va l'amener en fait au dantien, donc en s'abaissant légèrement. Et on l'a déjà fait. On a commencé cette pratique aussi avec la chemise de fer. So when you're ready, quand vous êtes prêt, you press the earth and you tuck your sacrum a little bit and you push. Vous pressez sur la terre et vous rentrez un peu votre sacrum, so puis vous poussez. You're gonna wear in a ball et and you're gonna hit here. Vous l'amenez en boule que okay. Vous pouvez frapper. And you have the left and right anus, so anus, left oui. Side, right anus, right side, and you hit here. Et aussi avec la partie gauche de l'anus, la partie droite. Après aussi, on peut frapper and sur les côtés. And you have the front. Et là c'est l'avant. Front side anus up to the front, and you feel the earth energy come up and pushing you expand, and you hit here. La partie avant de l'anus se connecte à la partie centrale du dantien. And lower part. On sent la expand qui monte. And hit it. Et on frappe et puis après on fait ça avec okay. La partie inférieure. So you activate the whole dantien. Et ainsi on active l'ensemble du dantien. And we come up to the kidney. Et après, on l'amène au rein. And every time we use the sound, the lung sound, lung sound. Ah, le son des poumons. Lung sound. C'est le son des poumons. So we release the energy with lung sound. On relâche l'énergie avec le son du poumon. So, and the kidney and the lung. Okay. So you see here, your anus. Vois l'anus. And the front part anus, and you contract and you push the energy up. On contracte la partie de l'anus vers. Là, il a montré vers l'arrière, en le poussant et en l'amenant vers l'avant.
front anus, left and right side anus. On a l'avant de l'anus et la partie gauche, la partie droite. Earth force come up and anus and expand. La force de la terre qui monte, qui passe dans l'anus. Left and right side. Et on l'expand. And on the left right side here, expand. Aussi sur la partie gauche et droite de la taille. And the kidney. Et les reins. So you bend. Et and you round your kidney, expand the kidney. On expand les reins. And the door of light. Et la porte de expand. La vie. Aussi s'expand. So that is the ribcage expand. La cage thoracique aussi s'élargit. Okay. So that is the all the anus so important. Et l'ensemble de l'anus c'est très important. Now, when you total Dantian breathing with exhale, inhale, exhale. La respiration Dantian avec l'expiration. And you can use the exhale, hold your breath. We call inhale without inhale. So you exhale. On expire. And you expand. Puis on expand. Without breathing. We sans call inhale respirer. Without inhaling. C'est inhaler sans inhaler. So you actually creating inspirer a space. Inspirer sans inspirer. We call inhale without inhaling. How can you do? So you exhale. C'est comme tout à l'heure. Close your breath. Close your breath. Expand. So inhale without inhaling. Mm-hmm. This one we go into our reverse breathing. Maintenant, reverse breathing. On fait aussi en respiration inversée. Okay. So we're going to do this part. Inhale. Inspire. Exhale. Expire. You're going to be so you normal breathing. You. On va respirer normalement. Expand without breathing. On expire sans respirer. Hold your breath. On retient sa respiration. And you start to hit it. Et on tapote. Now, left and right side. Maintenant, inhale. Côté gauche et côté droit. Inspire. Exhale. Expire. Who sound? Le son. Now, press your leg. And maintenant, pressez sur vos expand. Pieds et vers le and haut, expandez. You can also using the bamboo. Utilisez. It gives you a certain kind of vibration. Vous pouvez utiliser aussi le bambou. When you need to breathing, inhale. Quand vous avez besoin de respirer, vous inhalez, inspirez. Don't hold too long. Vous retenez pas trop, ne retenez pas votre respiration trop longtemps. In the reverse breathing, a little bit more difficult than a normal breathing. Inhale and expand. Dans la respiration inversée, c'est un peu plus difficile que dans la respiration normale, puisqu'on doit retenir en expirant. Lower part here. Là, maintenant, la partie inférieure. Inhale. Inspire. Exhale. Expire. Bow. Round. Very important. Round. Le dos bien rond. Press your heel. Pressez vos talons. Expand. Et expandre. And to your lower abdominal, your sexual organ, and hold it. Jusqu'aux and organes sexuels. Et vous retenez et après vous tapez. And inhale. Inspire. Exhale. Expire. Upper part. La partie haute maintenant. There is the stomach and the liver. L'estomac, le foie. Inhale. Inspire. Exhale. Expire. Who ça? Le son. Bend your back. Now press your leg. Maintenant, vous arrondissez le dos, expand. Vous appuyez sur les talons, expandre. Expand.
Now on the side here. Maintenant sur les both côtés. Side. De chaque côté. So you exhale. Expire. You sink down. En appuyant sur les talons. Now we're ready. Prêt. Very important the earth force. La force de la terre. You press the earth and you direct the energy that pushes you upward to the side. Presser la terre et l'énergie va monter sur les côtés. Sing. Abaissez-vous. Press. Presser. Expand. Expandre. And hit it. Et frapper. And and now the kidney. Maintenant les reins. Inhale. Inspire. Bend your back like this. Vous courbez votre dos comme de cette manière. So first you bend. D'abord vous. And you vous and courbez. After that you round your back and expand the kidney. Et après vous roulez, vous le arrondissez le dos en. Press the leg, les reins expand, qui s'expandent. Press the leg and et push the energy pressez up sur les jambes et laissez monter, pousser sur l'énergie. Expand your kidney. Et expansez les reins. And hit the kidney. Light, not hard. Pas fort. Légèrement. And inhale. Et inspire. Exhale. Expire. Lung. Les poumons. So. Exhale. Expire. Very important. Sing. Sing. En, sing. Round your back. En plongeant. This is not round. This is round. En arrondissant bien le dos. Ah, round your back. Arrondissez not like bien this. Votre dos. Straight first. C'est la colonne vertébrale. Ah, and round. Move your back first. Move d'abord, your back and not upper part don't move. Bougez le dos sans lower lumbar. Sans bouger les épaules et lower vous roulez les lombaires d'abord. Curve your back. Vous incurvez. Drop down. Drop your back. And sing your chest. Et puis après rentrez la poitrine. Ah. Drop your back, drop your lumbar, and your hip. D'abord, tuck in. Tournez les tuck hanches in. Vers l'intérieur et, not en, this et way. Roulez les lombaires. Not this way pas first. De cette manière. Straight, lumbar tuck in. D'abord droit and around. Et les lombaires let's try again. Ah, vont that's vers good. Again, let's try. L'avant et s'arrondissent. Upper part don't move. La partie haute ne bouge pas. Not like this. Pas comme ça. Okay, first, straight. Droit. Tuck your sacrum. Rentrez le sacrum. Round your lumbar. Et enroulez les lombaires. Drop your sacrum and round your lumbar. Your body is still straight. Le corps est droit. And now sing your chest. Et maintenant, ensuite, vous. And you press. Vous rentrez votre poitrine. Now you press your heel. Et vous pressez sur vos talons. And expand your lungs. Vous expandez. Le chi va dans les poumons. Again. De nouveau. Drop your. Drop. Drop. Vous rentrez le sacrum et enroulez les. Drop. Okay. Drop and round your back. Enroulez les lombaires. Sing your rib cage. Et ensuite enfonce. Expand. Expandre. Okay. And okay, so inhale, inspire, exhale, expire, round, and press your leg. Pressez feel the earth force come up, support sur you. Sur vos jambes et sentez la force de la terre qui monte, qui vous supporte. Expand, expandre, lightly hit your lung, et tapotez vos poumons.
légèrement. Now expand your chest, your back of the chest, inhale, maintenant, exhale, and have partner hit you on the back. Vous frappez sur le dos. Trouvez un partenaire. Right sinus toward the back and hit the lung. On the back. Maintenant, contractez l'anus et frappez à l'arrière des poumons. Okay, get the partner. We have this position. You can do the whole series, and you do working on sink down to the ground. Vous pouvez faire toute la série, travailler à vous accroupir vers le sol. And gathering the earth force. Et à rassembler la force de la terre. And bring the energy upward. Et à ramener l'énergie vers le haut. So you touch the toes, and raise your buttock, and you feel you have a very long, long tail. Alors, en touchant les doigts de pied, vous montez les fesses et vous sentez que vous avez une queue très longue. We have a tail. Nous avons une queue. No, coccyx. C'est le coccyx. And we don't use them for a few hundred years, maybe. Et nous l'utilisons depuis très longtemps. So the tail getting shorter and shorter when we left coccyx only very short. Et la queue s'est peu à peu raccourcie jusqu'à ne laisser que le coccyx. But it's still energy there. Mais il y a encore de l'énergie là. So you feel that have a tail extended all the way up to the universe. Et vous sentez que vous avez une queue qui s'étend jusqu'à l'univers. Gathering the earth again and you bring the energy up and you swallow the earth pill. C'est une très bonne pratique, vous, de faire cela, de s'accroupir et de sentir l'énergie de la terre, puis ensuite d'avaler la boule de chi de la terre. So you bring the energy up to the coccyx. Vous ramenez l'énergie au coccyx, focus on the coccyx. En vous concentrant sur le coccyx. Coccyx have a tail. Le coccyx a une queue. In the Tao, regard them as a very important energy tail. Et dans le Tao, on le regarde comme une queue d'énergie. So the energy tail can be very long, as long as you want. Et cette queue d'énergie peut être aussi longue que vous le souhaitez. It can go right under the ground into the below the galaxy, below the Earth, down to the other galaxy. You see a tail quite long, shoo, past the Earth and down to the galaxy. Voilà, voici, vous voyez là la queue, elle passe par la Terre et puis arrive jusqu'à la galaxie. It's a very long tail. C'est une queue très longue. Okay. If you try to sink back down like this. Si vous asseyez de cette manière. And not too much on the knee. Pas trop sur les genoux. If you go like this, you put too much weight on the knee. Si vous vous baissez de cette manière, vous mettez trop de poids sur les genoux. But if you want to sink down and you go down and coming down. Okay. Mais là, vous voulez vous asseoir en ayant l'intention de vous asseoir. So, inhale. Inspire. Down. Vers le bas. So, you're sinking down. Vous asseyez en vous penchant. And spiral. Et spiraler. Gather the chi. Et rassembler le chi. And now touch the toes. Touchez vos doigts de pied. And raise your sacrum up. Et montez le sacrum. And feel your tailbone. The coccyx has a very long tail. Sentez que votre coccyx a une queue très longue. And you spiral your tail. Et spiralez la queue. And lower it down. Et maintenant, venez vers le bas. Gather the chi. Rassemblez le chi. Gather the chi up and touch the heel. Come up
toucher les talons, aller vers remonter. Rub your coccyx. Masser le coccyx. And rub your sacrum. Masser votre sacrum. And feel your coccyx have a very long tail extended all the way down to the ground. Et sentez que votre coccyx a une queue très longue qui s'expand jusqu'au sol. And this, and just feel it, very long. Sentez-la, très longue. And feel the energy come up. Sentez l'énergie qui monte. Wrap around your sacrum. Qui s'enroule autour de votre sacrum. Up to the lumbar. Jusqu'au lombaire. Wrap around your lumbar. Qui s'enroule autour des lombaires. And come up to the navel. Jusqu'au nombril. Wrap around your navel. Qui s'enroule autour du nombril. It's very good to practicing it. Sometimes if you cannot bend down too much, you just little bit. Si vous n'arrivez pas à vous accroupir complètement, vous le faites juste un petit peu. Down, but you have to do the exercise of your knee in the right way so you don't get your knee hurt. Mais il faut faire de la bonne manière, sinon vous allez vous blesser les genoux. So we're going to go to an important part we call the tiger and dragon breath. Maintenant, on va faire la respiration du dragon et la respiration du tigre. So the tiger and dragon breath, when you inhale, quand vous dragon. Là, on fait le dragon quand on inspire. So you like expanding your chest. On agrandit la poitrine. High peak sound, and you exhale with the tiger sound. Et on expire avec le son du tigre. Dragon. Le dragon. You're gathering the chi. Vous rassemblez le chi. Don't make it too hard. Mais il ne faut pas le faire trop fort. Because you're gonna end up with so many breaths and you're gonna get so exhausted and tired on pain in your rib cage, in your chest. Sinon, vous allez avoir des douleurs dans la cage thoracique et dans la poitrine si vous le faites trop so fort. So if you normal way you see you put your hand on the rib cage. Maintenant on tient la cage thoracique. So you feel you expand. Et sentez qu'elle s'expand cette cage thoracique. Now you exhale. Et maintenant expire. Tiger sound. Et on fait le son du tigre. So you exhale the same time you're pushing down your Tan Tien. We call it the reverse breathing. En expirant, en amenant vers le bas, vers le Dan Tien en même temps, c'est la respiration inversée. So you exhale. Vous at expirez. The same time. Et en même temps. So let's try. Relax. You have to relax. Vous relaxez. Relax your chest. Relaxez la poitrine. Relax your chest. Relax. Inhale. Inspire. Exhale. Take us out. Expire, le son du tigre. You feel the chi pushing down. Ressentez le chi qui pousse vers le bas. Your anus contract up and you push down. Contractez l'anus. Again, inhale. Inspirez de nouveau. Gentle, expand. Expandre. Exhale. Expire. Feel your whole Dan Tien filled with qi. Sentez votre Dan Tien rempli de qi. Like tiger. Comme le tigre. Yeah, tiger is very powerful in the Dan Tien. Le tigre a beaucoup de force dans le Dan Tien. When a tiger, so that sometimes the tiger use the sound to hunt sometimes. So some of the smaller animal, they actually when they heard the sound like this, the heart broken.
and die. Yeah. Quand le tigre chasse, il utilise ce son. Et quand les petits animaux entendent ce son qui les effraie, parfois ils ont le cœur qui s'accélère et ils peuvent mourir. So, but tiger is real, you know, tiger, you know, like rabbit. Rabbit. And the tiger walk there when see rabbit. And it turn over and heart attack and die. Oui, en fait, c'est que quand le tigre, pour tuer son animal, utilise ce cri, ce rugissement. So the vibration of it. C'est la vibration qui fait cet effet sur le cœur. Vibration and it broke the heart of the rabbit. C'est ça qui bloque le cœur du lapin. So you exhale. Expirez d'abord. Sing. En vous abaissant. Ribcage curve in. La cage thoracique vers Now, à l'intérieur. Bracket. Maintenant, expand. Expandre. Et maintenant le tigre. Sing, relax, relax, relax. Sing. Plonger. Relax, relax. Relaxer. Now, press your leg. Presser les expand jambes. Expand the chi up. Expand le chi vers le haut. Expand. 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 Now, heavy. Expand the whole chi. And let's contract. Contractez l'anus. And. Hold on and expand. Expandre le d'un tien entier. Step your leg. Faites des petits Step pas. Step your leg. Brush your chest. Massez votre poitrine. Relax, calm and relax. Chi go down. Don't go up. Don't let the chi go up. Ne laissez pas le chi monter et faites-le redescendre en vous massant. This is the very important breath. C'est une dragon and tiger breath. Ce sont des respirations très importantes, celle du dragon et du tigre. You expand the whole dantian. Your anus contract up, anus come up, perineum up. Et quand vous expandez, expand, cela around. Expand l'ensemble du dantian. Et il faut bien contracter l'anus, le périnée. When you're breathing the dragon, quand vous respirez le dragon, you exhale, vous expirez. Inhale. Inspire. Expand. Tiger. Le tigre. Okay. Anus. Anus. Okay. Contract. Contracter. Expand. Expand. And rest. Et reposez-vous. Let's go to the dragon and tiger breath. On va revoir la respiration du dragon et du tigre. Okay. Dragon is you inhale. On inspire pour le dragon. So you exhale first. Et d'abord on expire. You inhale. En inspirant. Expand. On your rib cage. Expand la cage thoracique. You inhale. En Now inspirant. You exhale. You use the You pushing to explain this have to be go a little bit further on. Pour expliquer cela, il faut un peu plus d'explication. Sometimes they call you retain the breath, you retain the chi. Alors on peut retenir sa respiration, retenir le chi. You actually exhale. On expire. But at the same time, you press and condense and draw the chi. Mais en même temps vous condenser et conduisez le chi. This is, yeah. You, the last part you contract, you release it, and you contract. Okay. Now, in the Tao set, so this is the very deep, a little bit part you need to think about it. When we breathing inhale. Quand on respire, on Our original force, our life force, original force come up. L'inspiration, la force originelle monte. It mixing with the
with the energy, qi. Et se mélange à l'énergie, au qi. And when you exhale, et quand on expire, so you throw the bath water out, but hold the baby. À ce moment-là, vous jetez l'eau du bain, mais vous retenez le bébé. So that is the whole thing about this. Et c'est tout, c'est de cela dont parle cette pratique. That when people they throw the baby and the bath water out. Quand les gens ont l'air vraiment fatigués, c'est en fait c'est qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain. So the whole thing in one, we exhale. On expire. When you now exhale. Inspire, et là, en expirant. When you exhale, you actually retain the force. À ce moment-là, vous retenez la force. Inhale, you don't do it. Inhale, you get the energy in. En inspirant, on ne le fait pas parce qu'on exhale, on aspire l'énergie. You hold the baby. Et en expirant. And let go the bath water out. On retient le bébé et on jette l'eau du bain. The tiger breath. Et ça, c'est la respiration okay. du tigre. So, if you understand the throw the baby with the bath water out, you know. Cela et voilà, si vous comprenez ce proverbe. Or you hold the baby and you pour the bath water out. Vous retenez bien le bébé et and vous jetez l'eau. You see? Hold the baby. C'est pareil. Throw the bath water avec out. Cette respiration. And that's how it actually exactly what the Taoists mean. Et c'est exactement ce que cela veut dire dans le Tao. Okay. If you practice them well and aware you stand and aware you're walking. Si vous faites une bonne pratique et yeah. que vous êtes conscient de vos plantes de pied et de votre marche. So we always say a nine points. Nine points of the feet. 1, 2, 3, 4, yeah, nine okay. points. Il y a neuf, on parle des neuf points du pied. So sometimes we know when we step and we get trouble because we say we're uneven. Quand nous marchons et souvent nous sommes pas équilibrés. A practice in the Tai Chi walk, you see. Il y a une pratique. Sing. When you sing, you feel you put all your nine points. You feel your nine points. C'est de sentir en fait en s'abaissant les neuf points. And when you step. Et quand vous faites le when pas. When you down, the heel down. Et vous mettez le d'abord outer le edge. Talon. And the small ball, big ball, and your five toes down. Ensuite, okay. la partie au milieu, et puis les deux points plus haut, et ensuite les cinq doigts de pied. That will help you correct your structure. Ça va vous aider à corriger votre structure. And oftentimes we step not even, so that's why the structure wrong. Et c'est souvent nous ne marchons pas de manière équilibrée, et c'est pour ça que notre structure n'est pas bonne. It's just like your feet nine point is the floor of your building. It's the foundation of your building. This is the feet. Neuf points sont comme les fondations de votre d'un immeuble. Now, if you stand like this, you stand only on the side and the other on the side only, and it is the floor. The foundation is not even. Et si vous appuyez trop sur un pied ou sur l'autre, la fondation n'est pas stable. So you see here, yeah? You sing. Voilà, vous enfoncez. They come up. First thing, aware your feet. D'abord, soyez conscient de vos pieds. And you sing. Et vous sing. Vous enfoncez. When you sing down, you feel the heel. Quand vous enfoncez, vous sentez le talon. Outer edge, the big ball, small ball. Sur le côté, les deux points des petits even. Coussinets et les cinq doigts so your structure will not, de manière égale. If you put only one part of it and the other part, your structure, it's just like your house is not on a good foundation and the structure started to move. Si vous ne vous sentez pas, si vous ne répartissez pas votre poids de manière égale sur tous ces points, c'est comme si votre fondation n'est pas équilibrée. And you stand very firm. Et vous, à ce moment-là, vous tenez debout de manière très ferme. So we say stand like a mountain. C'est se tenir en fait comme une montagne. Firm and you move. De manière affirmée, mais vous pouvez bouger. Move. Vous bougez. Move from the feet. Bouger des pieds.
And you feel your whole structure very strong on the ground. Et vous sentez toute votre structure très forte qui se tient sur la terre. And you have a very good stable foundation. Et là, vous avez une fondation stable. So sometimes when we walk, you know, we walk a lot. Some people walk and it's on the small hill. Some people they walk on the side like this. Certaines personnes. On the small toes here. Certaines personnes marchent juste sur les talons ou sur les doigts de pied. Or some people is only on the big toes only. Ou alors juste sur le gros orteil. So if you walk like this, your structure off. Et si vous marchez comme ça, votre structure n'est pas équilibrée. Sing. Vous enfoncez, relax, relâchez. Feel your nine points touch the ground. Et vous sentez vos neuf points qui sont sur le and sol. Very slowly et très lentement, move. Bougez. And feel all these nine points et sentez touch ces neuf points ground. Qui touchent la terre. Now, if your toes are too curved in, ici. A lot of people wear because wearing the high heel or very sharp shoe. Certaines femmes qui portent des talons trop hauts ou des bouts de chaussures pointues. So the small toe actually fall in this way. Et les petits doigts, les orteils à ce moment-là se chevauchent. And the structure gone. Et il n'y a plus de la structure s'en ressent. So need to spread your toes. Alors il faut élargir ces orteils touch the ground. Pour toucher le sol. And the structure, you know, is totally gone because all the small toe, big toe all cram into one place like this. Et la structure à ce moment-là n'existe plus puisque tous les doigts de pied se positionnent autrement. Okay. So feel your feet. Maintenant sentez vos pieds. Sing. Relax your feet and feel your feet touch the ground. Relaxez vos pieds et sentez-les toucher le sol. Tai chi is very very good. Le tai chi press your feet. Très bon. So now you empty your right leg. Et maintenant, and you press your feet and feel all nine points touching the ground. Don't lean. Vous videz straight votre down like this. Vous mettez plus aucun poids sur la jambe and you, droite et so vous you sentez feel all your nine points touching the ground and you lift up your leg. Et vous sentez tous les neuf points qui quittent le sol. And very slowly lift up and you press on the heel. Vous montez lentement la jambe et vous pressez de nouveau sur le talon. And you press on the heel and slowly heel. Et vous pressez sur le talon et lentement. Feel it and sentez the whole heel. Sentez outer edge. Tous les points small du pied. Small ball, the small ball on the small toe and big ball on the big toes. Les petits points sur petits orteils et le gros point sur le gros orteil. And all five toes touch the ground. Et les cinq and the orteils back leg empty. Qui touchent le sol ensuite et l'arrière qui ne ressent plus rien. Now, your back leg on the toes. Maintenant, big toes. Maintenant, vous tenez sur votre gros orteil. Vous sentez big ball is on the big toe area. La grosse boule est sur le big ball, sur small la ball, grosse sur le gros outer coussin. Edge and après, the heel. And you put all your weight down. Put all your weight down, but and the right leg. Empty. Mettez tout votre poids sur la jambe gauche et sentez il n'y a plus de poids sur la jambe droite. And you lift your leg up, right leg up again. Et vous remontez la jambe so droite. All the weight on the et left. Le poids se trouve sur la jambe gauche. You feel every point et vous touching sentez the ground. Tout chaque point qui touche le sol. Sometimes you know when you have a time to stand still, just aware your toes. When you have all this is like a sensor telling the body balance, like a sensor, it's so big sensor. Parfois, quand vous avez le temps, que vous êtes juste debout, vous pouvez faire cette pratique. Et ces neuf points sont des capteurs. Like a sensor telling the structure in the body, in the balance. Qui vous renseigne sur votre équilibre et votre structure. But when you don't touch them evenly. The body tells the structure our balance. Mais si vous n'êtes pas équilibré
si ces points ne sont pas équilibrés, à ce moment-là, la structure dans le corps non plus. And you dive again, you heel. Et de nouveau, on outer presse edge, vers le big ball, small ball, and the toes, le talon et the puis toes. Le bord externe du so les deux feel coussinets your feet touch the ground. Et les cinq orteils. And you start again, toes, big et ball, de nouveau, small ball, le outer edge and the heel. À l'arrière, le gros orteil, tous les orteils, feel les deux coussinets, le bord externe et le talon. The whole structure are so much have sensor in this, and when one of them they don't get the sensor, they start to off balance. Sentez que vos capteurs et si l'un d'eux vient à manquer, à ce moment-là, vous êtes déséquilibré. Okay, so and move again. So you move back bougez and forth. De nouveau de l'avant vers l'arrière. You move back and forth. If you every day aware your feet have sense all the points are touching, and you start to get more balancing and even. Et si vous le faites tous les jours, à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous devenez plus équilibré. Now, we're going to talk about opening the quad. The back quad. On va maintenant ouvrir les quads. Actually, lady, pour les femmes, very naturally open this. Ces quads s'ouvrent naturellement. When before the menstruation comes. Avant que les menstruations arrivent. They have a hormone to release all this tendon, and the hip become loose. Elles ont une hormone qui agit the sur hip, tous les tendons quad. Et les hanches s'élargissent. In order for the baby, if they have the baby have to go through here. Oui, cela aussi arrive quand elles ont le bébé va naître. So you can see that when lady started to menstruation going to come, she walk funny like this. Et vous pouvez voir quand une femme va avoir ses menstruations, okay. Puisqu'elle marche d'une drôle de manière. But not this too much exaggerate, but you can feel it. This part is more open. Et vous pouvez sentir que cette partie-là est plus ouverte. And when her baby, et aussi quand elle va avoir when un her enfant, baby, it get bigger. Ça devient because it need to prepare for the baby to come out. Puisque so this part have been released. Cette partie-là doit être relâchée pour la venue du bébé. And you have bigger base. Et il y a la base est you plus, have a more bigger plus base. Grosse. Okay. So so you need to get the chi. So you put the chi. When you get the chi pushing to the back here. Quand vous amenez le chi vers l'arrière. So you focus. Vous concentrez en expirant. And you lightly tuck your sacrum. Et vous rentrez légèrement le sacrum. And you feel like the chi actually push. Et vous sentez que this part open. Que cette partie s'ouvre, que le chi pousse. This is the part that causing the back pain. Ça c'est ce qui cause les douleurs de dos. Okay, it causing the back pain. So the another part is when you sit down and you lightly push your heel outward. Aussi, on peut faire, on s'assoit légèrement you press en poussant les and you screw down and open it. Et open vous vissez en tournant les talons vers l'extérieur et en ouvrant okay. Les quads. So lightly hit the hip here. Tapez légèrement le sacrum derrière les hanches. Sacrum and the hip. Le sacrum et les hanches. This back quad is very important because men have a lot of problem because it's too tight. C'est le quad à l'arrière est aussi très important pour les hommes qui ont souvent des problèmes de dos. If you sit on a sofa, very soft sofa. Si vous vous asseyez sur un sofa très mou. So you sit down, you sink down. Vous en fait vous plongez dedans. So everything pushing down here, you know. And you get up, you cannot move because here is like it go like this.
Et le corps pousse en entier sur les fesses et après c'est difficile de de remonter. Especially the soft bed. Surtout les lits mous, aussi les matelas mous. When you're laying down, it's so soft, but the whole structure gone. Mais voilà, pour la structure, ce n'est pas bon. Because the whole back and the hip up structure. Puisque it's too soft. Le dos et les hanches retiennent la structure. Okay, so you see here. Yeah? So you inhale. Maintenant, vous inspirez. Exhale. Expire. Now, you have to feel your tighten your arm and you turn. Maintenant, vous sentez que vous renforcez les bras put the chi. En les tournant, ainsi que les talons, en mettant le chi. You keep on pushing. Et continuez de pousser. And you feel something pain on the back, lightly pain on the back. Et vous sentez peut-être une légère douleur dans le dos. It's so again, inhale. De nouveau, inspirez. Exhale. Expire. Now put the chi. Mettez le chi. Direct the chi. Dirigez le chi. And the heel. Et les talons. Press down and turn out a little bit. And tourne vers l'extérieur. Les bras aussi. Again. Inhale. De nouveau, inspire. Exhale. Expire. And now push the chi to the back. Mettez le chi vers le dos. Now when you push more and you turn your heel and turn your arm. Tournez les bras et les talons. And feel the quad here open. Et sentez les quads qui s'ouvrent. Open. Second, you have to be like this, feel like this. You see? I give you a little bit more to do. So see, you see, you go like this and go like this. And you feel the chi. Sentez the pressure chi go down in the area. And you open your quad. Dans cet endroit et qui ouvre vos quads. And another way is the best is you open your quad. You know? Un autre moyen, c'est d'ouvrir les quads. It's the same. When you go down, quand vous allez vers, quand vous your vous accroupissez, les quads s'ouvrent. Your quad open. Because when you do like this, you open your quad. Puisque en faisant cela, on ouvre les quads. And you release your lower back. Et vous relâchez la partie basse du dos. Otherwise, you don't change it. You sit too long on the lumbar. Sinon, and lumbar is so painful, and the hip so painful. Sinon, vous vous asseyez trop longtemps sur les lombaires et cela fait douloureux pour les hanches. Very gentle. Doucement. But you must get this sacrum tuck in and lumbar round. Vous devez rentrer le sacrum et arrondir les lombaires. Chi. C'est your le mind chi. Directing the chi. C'est la pensée qui dirige le chi, qui l'amène vers l'arrière. Gentle. And push the chi. Doucement. And the pain gone. Et la douleur s'en va. And you hit a little bit. Et après vous tapotez. If you have in the morning, if you every day, because this position is the front cover of the book, it's very important. Cette position c'est très importante et c'est celle qui est montrée sur la page. La couverture du livre. You have to learn number one. You curve your thumb. D'abord, il faut enrouler lock le pouce elbow, et puis le coude. And you go this way. Et de cette strong manière. Now, when you go this way, you're opening your scapula because this one, this the scapula and here is the same. This is front leg. This is back leg. Puisque cela, en faisant cela avec les mains, cela ouvre les omoplates. Et c'est le même principe que pour le bas du corps avec le sacrum. And the back one, you sink down the heel. Puis ensuite, press from the heel, lock your knee a little bit, on s'assied and move. Move from the heel. On bouge, slow. En s'asseyant, slow. On bouge à partir des talons
So you slow, lentement. You push on heel and you vous move out. Les talons et vous and you feel that your quad open like this. Et vous sentez que vos quads s'ouvrent. So let's try. Slow. 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 Now you feel here open. And you tuck your sacrum and round your back, it open. Rentrez le sacrum et arrondissez le dos et ouvrez le quad. You do every day, save your back. Et si vous le faites chaque jour, cela va sauver votre dos. Your back can last really long. Et votre dos aura une longue vie. Okay. Now we're going to start the form. The first form we call rabbit. On va faire une forme. La première, c'est celle du lapin. The rabbit. So we have a form to practicing it. Nous avons une forme que nous allons pratiquer. So the rabbit, you have to make your teeth look like rabbit, like this. No. Il faut faire les dents comme le lapin. It's a rabbit. Rabbit. Okay. So the rabbit is inhale. Inspirez. Dragon breath. La respiration du dragon. See? You. Exhale tiger breath. Expire en faisant la respiration du tigre. So when you push down to the front dantian here. En poussant sur le dantian du devant. Inhale. Inspire. Exhale. Expire. Exhale, front dantian. Very important, front dantian. Et expirez sur l'avant du dantian. Inhale. Anus. L'anus. When you come back. Anus come up. Quand and vous when inspirez. You exhale, you releasing for. Et quand vous expirez, vous le relâchez. Anus contract again. Et l'anus se contracte de nouveau. Lightly contract. Légèrement. Again, inhale. Inspirez de nouveau. Exhale. Expire. Relax. Inhale. Relaxez. Inspire. Exhale. Sink down a little bit. Expirez en vous abaissant. And in this exercise, you don't go down too low. You up and down like this. It makes your knee very strong. Et dans cet exercice, vous ne vous abaissez pas trop, mais juste un peu, et cela renforce vos genoux. So inhale. Inspire. Exhale. Expire. And very good to shake your toes. So and you feel your knee get longer. Vous sentez que votre genou, longer. Les articulations du genou se rallongent. So your leg are your feet are pointed down and you shake and snap it. Feel it open. Sentez que cela s'ouvre. Because we are too much compressed on it. Puisque nous sommes souvent trop comprimés dessus. You feel it. Feel nice. Sentez le bien-être. Relax. Relax and snap it. Relaxez et snap. Relax and snap it. Relaxez et donnez un petit coup de pied. And chain leg. Changer de jambe. Do every day, morning, evening, because chaque we stand. Jour. If you stand or sit too long, the knee are too compressed. Faites-le chaque jour, le soir, puisque si on se tient debout ou qu'on est assis trop longtemps, le genou se comprime. So with this exercise and with this. Up and down. Et aussi cet exercice d'aller up, down, du haut vers le bas. Just knee. Juste knee. Un petit peu. Riding up, légèrement. Exercise your knee, and you're not too much, and it's very good for your knee. Ça le donne, ça donne de l'exercice à vos genoux et c'est très bon pour eux. Okay. So let's try it again. The rabbit. Encore le lapin. Emphasize opening the quad. Je mets l'accent sur le fait d'ouvrir ses quads. Sacrum, lumbar. Le sacrum et lombaire. Chi push into the back. Le chi qui pousse vers jusqu'en bas.
Anus contract, l'anus contracté, sexual organ contract, les organes lightly, sexuels, really light. Très doucement. Exhale. Expire. And still contract and contract again. Et contracté de nouveau. Again. Anus contract, perineum. L'anus, le périnée. Exhale. Feel your back. Sentez le dos. Now, lightly tap and hit your back. J'aime beaucoup la vibration du fouet. Lumbar. Les lombaires. Sacrum. Le sacrum. Hip. Et les hanches. So good. You do for everything. Vous le faites pour tout. When you're gonna guess it, beat yourself first, you know. Beat it. Battez-vous d'abord. And you don't get sick. Et vous ne serez pas malade. Yeah, you beat all the sickness run away. Et vous battez la maladie qui s'en va. And when you beat yourself up, it's okay. When somebody want to beat you up, you know. Et quand vous vous battez vous-même, ça va. Après quelqu'un de vous battre. Nowadays in the office, they pressure you, everything, you know, so much. Et il y a beaucoup de dans les bureaux, il y a tant de pression, you and everything, you know. De choses qui, oui, de pression. And okay, so very good to hit it and feel loose. Et c'est très bon de le taper. And feel your lumbar open. Et de sentir la souplesse et les lombaires qui s'ouvrent. The next one we call the bear. Ensuite, il vient l'ours. So we still the same. Inhale. Inspirez. Exhale. Inspire. So this is a major part of your arm, so that they get the arm right. Let's first get the arm like this first. Alors inhale. D'abord. You twist your thumb. On tourne le pouce. Your thumb is counterclockwise. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. So you twist counterclockwise. You twist your thumb counterclockwise. Vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles du montre. And you move the ulnar radius. Et vous bougez le radius, le cutis. Lightly tighten your elbow. En contractant légèrement vos coudes. And you, so we call in, you make it curve. And you try to make it straight, and you get the strength. Vous faites une courbe et vous. In the curve. Make it straight. Faites-le avec force dans la courbe. So when you make it straight, it's very tight. Tight. Et faites-le droit. Strong, tight. Et fort. Okay, like this. Like the same thing that we do. Like this is strong. Comme but you go cela, like this, no power. C'est fort. You like this, you hurt your elbow and si hurt your shoulder. Si vous le faites comme ça, vous n'avez pas de pouvoir et vous faites mal au coude. But if you go like this. Mais si vous le faites comme ça. So you curve, vous incurvez, then you spiral, et vous spiralez, and make it straight. Et vous après ensuite vous le faites droit. Okay, in the curve, dans la courbe, find the straight. Et après droit. Okay, so when you curve it, when you spiral something and you pull it, it's very tight. Okay, so in the curve, find the straight. Dans la courbe, trouvez la droiture. I show you here. You see, you do that, and I correct you. Yeah. So your elbow more down a little bit. Keep your elbow down. Les coudes un peu plus bas. And you feel that. Okay. You feel the power. Sentez la puissance. Now, if you loosen the elbow. Si vous loosen the elbow. Si vous ramollissez les deux coudes. Make it straight like this. Et que vous le faites droit, il n'y a pas de pouvoir. The power going to hurt on the elbow and the shoulder. Ça va la puissance va se heurter contre le coude et l'épaule. Now, when you go like this. Mais comme ça. And you see when I push him. Vous voyez que quand je pousse. The force, you see, I push him. The force transfer into the scapula and the spine go down to the leg. La force se transfère
aux omoplates et va droit jusqu'à la terre. So you have to lock the elbow. Alors il faut when you lock the elbow, quand vous verrouillez le coude, and like this, more like this, yeah. When you lock the elbow, it get the whole structure connect into the whole body. À ce moment-là, la structure entière du corps se connecte. When you do like this, se connecte. Mais si vous faites ainsi, now the force is not go to the ground, but it go when the too much force, boom, it broke the elbow and broke the shoulder. La force à ce moment-là se bloque dans le coude et dans l'épaule. And no connection. Pas au sol. Et il n'y a pas de connexion. Okay. Maintenant, vous prenez so un remember partenaire. That you have your thumb. Et rappelez-vous turn like this, que vous tournez bien votre pouce. And you press it up high. Et vous pressez. When you get this, it's the same. Et c'est pareil que le travail you vers le bas du corps. You have to feel the elbow strong. Vous sentez the votre elbow. Coude fort. Okay, so you see the elbow strong. Vous voyez le coude est fort. Okay, the elbow lock and with power. When you release the tension, et a du pouvoir. There's no power there. Et quand la tension se relâche, il n'y a plus de pouvoir. So we call you have to train and you feel it. Il faut vous entraîner. Because the L9 radius can twist. Entraînez-vous et vous sentirez aussi que L9 radius can turn. Le radius et le cubitus aussi s'enroulent. And you try to make it straight and you get the connection to a whole body. Et vous essayez de trouver une droiture et de faire la connexion avec le corps entier. So start with your partner, go like this. Et allez-y. Now, thumb. Avec les pouces, les pouces et les poignets. You see your thumb go like this, your thumb, and you turn your thumb. And you press it out. Vous tournez les pouces comme and ça, you push. Et vous poussez et vous pressez. You see, you can feel that it's very connecting to the body. Et vous pouvez and sentir. If you loosen the elbow, la connexion avec le corps. Et si on relâche le coude, when you loosen the elbow, you cannot connect. La connexion se. The arm, you see. Les bras tournent. Scapula move. Le coude, la clavicule bouge. L'omoplate. And the heel. Et les talons. So the scapula round. Les the épaules quad rondes, open. S'arrondissent, le quad s'ouvre. Scapula round, chesting. La poitrine à l'intérieur, open. Les quads ouvrent. So you see the quad here. Quad on open. Voit les quads. Here the hip. Les hanches. The leg. Les jambes. Turn off. Vers l'intérieur. And you feel. It open. Et vous sentez que ça s'ouvre. Dragon and tiger breath. La respiration du dragon et du tigre. Okay. Inhale. Exhale. Expire. Now, your thumb. Very important, the thumb. Twist. L'important, c'est twist the thumb. De le pouce. Roll your back. Arrondir le dos. Expand your back. Expand le dos. So hold the chi and move the chi in the back. Retenez le chi et bougez-le dans le dos. Again. Encore. We're going to emphasize the heel. On va mettre l'accent sur it's the same theory again. Les chevilles. But it's not an arm. But this one, you press the leg and you very slowly screw non, the leg out a little bit. Avec les talons, on va faire pareil. On va faire comme si on vissait et on écarte légèrement les talons. You sing. Vous plongez. Press to the heel. Pressez les talons. And screw. Et tourner, visser. You screw. Okay. Like that. Okay. Inhale. Encore, on inspire. Your stand a little bit wider.
vos pieds sont assez écartés. When you learn, all this is internal qigong. Tout ça, c'est le qigong interne. So there, but it's a martial art application in there. Mais il y a une application d'arts martiaux. Okay. Inhale. Inspire. Exhale. Expire. Now. Quoi, open. Le quoi s'ouvre. Back, le chi. Le chi dans le dos. Let the chi come down. Amenez le chi vers le bas. The swallow, a bird, the swallow. Alors, swallow. C'est une hirondelle, je crois. C'est l'hirondelle. Okay. So the position is left dantian, right dantian, middle dantian. La position dantian gauche, dantian droit et le milieu du dantian. So you come up. Montez. You turn to the left. Tournez vers la gauche. So you turn to the left. Now, you and you expand on the left side. Vous expandez à gauche. And to the middle. Au milieu. And you expand your right side. À droite. Expand, hit it. Expandez et tapez. Middle. Milieu. Sacrum tuck in, lumbara. Le sacrum vers l'intérieur, les lombaires arrondis. Left. À gauche. And inhale. Inspire. Exhale. Expire. Now let go down to the ground. Go. On va aller vers s'accroupir. Go slow. Lentement. Go slow. Doucement vers le sol. Touch the ground. Toucher le sol. Feel the ground. Et sentez le sol. Now touch your toes. Touchez vos doigts de pied. Raise your sacrum up. Et montez le sacrum. And wave your tailbone to the heaven. Bougez votre queue vers le ciel. Wave your tail. Bougez la queue. And picture you have a very long tail. Et imaginez que vous avez une queue très longue. So you wave your tail in the heaven, to the heaven. Et vous la faites des vagues avec cette queue jusqu'au ciel. And lower it down again. Et puis de nouveau vers le bas. Now you spiral gather the chi. Vous spiralez et rassemblez l'énergie de la terre. So you fill your arm with chi. Et vous remplissez vos bras de chi. Chi, fill the chi. And bring the chi up to your heel. Et vous l'amenez vers vos talons. And rub your sacrum. Et vous massez le sacrum. Rub your coccyx. Vous massez le coccyx. And feel your sacrum breathing. Et sentez votre sacrum qui respire. Feel energy from the earth come up. Et sentez l'énergie de la terre qui s'enroule autour du sacrum. Okay. And come up to your kidney. Qui va jusqu'au rein. And kidney breathing. Et on fait la respiration des reins. Inhale. Inspire. Exhale. Expire. So feel your kidney expand. Sentez vos reins qui s'expandent et qui se contractent.
And rest. Et reposez-vous. Dantian. Le Dantian. Let's sit down. Asseyez-vous. Just relax, cover your navel. Relaxez-vous en mettant les mains sur votre nombril. Very gentle breathe into your Dantian. Inhale, doucement, exhale. Respirez dans votre Dantian. Feel nice and warm. Sentez-vous chaud, c'est agréable. Dantian is your life. Dantian is your life. Le Dantian est votre vie. And rest. L'expérience et il répond de manière émotionnelle. Now the Taoism believe that the organs like a storage house to store all the emotional. Dans le Tao, on croit que les organes sont comme un entrepôt qui stocke toutes les émotions. So when we clear the organ, because organ is one by one, brain is so big. If you go to the brain, you don't know what to look for. Les organes sont bien séparés, on peut les faire un par un, alors que le cerveau est énorme et on ne sait pas par quel bout commencer. So when you get the when you know where the organ and what the emotional, you can clear them out very easy. Et quand on sait où se trouve l'organe et à quelle émotion correspond, à ce moment-là, on peut le nettoyer facilement. This is the research of one of the doctors that he discovered the second brain. Voilà la recherche d'un docteur qui a découvert le second cerveau. Okay. So in the abdominal intestine, large intestine, and actually now they discover that all the organs have a brain. Alors ils l'ont découvert dans l'abdomen, l'intestin grêle, le gros intestin, mais c'est aussi vrai pour tous les organes. Tous les organes ont un cerveau. And they have the very similar like the brain here, so it looks very similar. Et il ressemble beaucoup au cerveau qui se trouve dans la tête. And also they discovered their heart brain. Ils ont découvert aussi le cerveau du cœur. So that's why a training of lower the mind to the heart brain, lower the heart brain to the Dantian brain is very important practice in the Tao practice. C'est pour cela que abaisser la pensée dans le cerveau du cœur, puis dans le cerveau abdominal, c'est une pratique très importante dans le Tao. We grow from in the baby, the first thing you so big is grow from the abdominal first. Et on voit qu'un bébé grandit en fait à partir de son abdomen. So I think that when it started to grow from a cell, it stick on the placenta and it grow. Il commence à partir d'une cellule qui s'accroche au placenta et grandit à partir de là. So the abdominal brain actually grow before upper brain come. Et donc le cerveau abdominal grandit d'abord avant les autres cerveaux. And everything from the air, from the nutrition, from everything, it come into the abdominal. Into the umbilical cord, and go out into the body, feed to everything.
Et la nourriture, l'oxygène arrive par le cordon ombilical dans l'abdomen et à partir de là nourrit tout le corps. So the heart brain generates a lot of electricity. Le cerveau du cœur génère beaucoup d'électricité. So the Dantian, when we talk about Dantian, we're talking about a lot of back Dantian is a lot of psoas muscle. Et quand on parle du Dantian, il faut prendre en compte les muscles psoas. And when the psoas muscle are uneven, it pulls and it's going to be hurt the whole spine. Si les psoas sont trop contractés et tirent trop, ils peuvent abîmer la colonne vertébrale. So the Dantian Qigong and I Qigong, they are matched, they're so close together, but the Dantian, you have more position. Le Qigong du Dantian et End sont deux Qigong très proches. So we have the intestine, the small intestine, large intestine. On voit le petit intestin grêle, le gros intestin. And that is the consist of the major Dantian. C'est la partie la plus importante du Dantian. And your kidney, liver, spleen, pancreas also part of the whole Dantian. Et les reins, le foie, le pancréas aussi font partie du Dantian. So able to see and image your organ is very important. Être capable de voir et de visualiser son organe est d'une grande importance. So the next thing we're going to the whole thing in why we so much about perineum. Et aussi l'importance du périnée. Because it's so much involved with contracting the perineum and this. Cette pratique aussi inclut la contraction du périnée, de l'anus. So we said the perineum actually is the floor, the lower floor. Le périnée est comme un plancher. Very small, but a lot of weight are pushing down here. Il est très petit, mais il y a beaucoup de poids qui le pousse vers le bas. Men, if this one not strong, you get a hernia. Et si les hommes n'ont pas le périnée assez puissant, à ce moment-là, ils ont des hernies, des hernies. Because the floor is weak. Puisque le plancher est faible. So this perineum and strengthening perineum and make it strong and make the most important part is make the organ have qi so it don't sack on each other. Ce qu'il faut, c'est renforcer les organes et leur apporter du chi. Comme ça, ils ne pèsent pas les uns sur les autres. So we're going to be all the practice is so much in why we pull up the perineum and this. Et toute la pratique, en fait, inclut cette contraction du périnée, de l'anus. So we're going to start with anus, front part anus, back, left and right side. On va commencer d'abord par le centre de l'anus, le devant, l'arrière et le côté gauche et droit. The theory is very simple. Every part of from the head, from the brain, from the even a hair has a wedge stacked on the perineum. Alors il faut bien comprendre que le sas s'élève. Est trop haut et on dit de la personne qu'elle a perdu son centre. So when people are very angry, they lost their center. Et quand quelqu'un sent beaucoup de colère, il perd son centre. Now how quick and how fast you can get back to your own center again? Boom. Et à quelle vitesse pouvez-vous revenir à votre propre centre? The Dantian become giving you a structure rather than getting too high. Le Dantian donne une structure et évite de s'élever, de monter. So it really gives you a certain kind of what we call by too high high center or lower center. When you have too high center, it's stuck in the energy stuck in the chest. Quand and the head. L'énergie se bloque dans le cœur et dans la tête quand elle monte trop. So the Dantian Qigong is so much involved with learn how to breathe into your center. And learn how to sing your mind into the center. Le Qigong du Dantian, en fait, il s'agit surtout d'abaisser sa pensée et sa respiration dans le Dantian. So when you lower your abdominal breathing, you are lowering everything down. En faisant la respiration abdominale, à ce moment-là, on abaisse.
We're also going to have bottle breath. Lots of breath, that means you inhale, hold it, and you move. Like a bottle, you have water in and you move the water up and down. Il y a aussi la respiration que l'on appelle la respiration de la bouteille, puisque en respirant, après on retient et avec un petit mouvement, le niveau s'abaisse peu à peu. And if you laying down, you can feel that you can use your Dantian power to press to down to the ground, and you feel you are more connecting to the earth. Quand vous vous allongez, vous pouvez, en vous connectant au Dantian, à ce moment-là, vous connectez mieux à la terre. So this is second brain. Voilà le deuxième cerveau. And it's when the West started to interesting in the second brain, and they discovered this abdominal brain in the intestine has the same brain as the upper brain. L'Occident s'intéresse à cela et a découvert que le cerveau qui se trouve au niveau des intestins a un lien avec le cerveau de la tête. It can send and receive. Il peut envoyer et recevoir l'impulsion. Recording the experience, se rappeler de l'expérience, respond to emotional, et répondre de manière émotionnelle. So it works like a brain. Il marche comme un cerveau. With this, the West still haven't very into research that what emotional affecting what organs. Et les recherches occidentales montrent que les émotions affectent les organes. But we know this abdominal brain can recording experience and respond to emotional. So it's recording thing, because like a brain, it's recording thing. On sait que le cerveau abdominal enregistre les expériences. Le cerveau, la tête et même les cheveux ont un poids qui pèse sur le périnée. Because it's a floor. Puisque c'est un plancher. Like if we're on a top floor, if everybody standing or sitting, you put all your weight on the floor. C'est comme un toit sur lequel un plancher sur lequel de nombreuses personnes s'assient ou restent. So on the left side, if we said the left side. Donc sur le côté gauche. If you pull the anus. Si vous contractez l'anus, vous le tirez. And you're very aware of your left side, and you contract the anus and left side anus, and your mind and your eye can focus, and you feel energy coming up on the left side. So we said the left testicle, left ovary. Alors, en prenant bien conscience de la partie gauche de l'anus, à ce moment-là, avec les yeux et la pensée, on contracte l'anus et on sent dans le corps la partie gauche de l'anus qui se relève. To the ascending column, descending column. Et descending. Le côlon descendant qui passe and par come up to le the côlon left descendant kidney, et va jusqu'au rein gauche. And coming up to the spleen. Jusqu'à la rate. Lung, left lung. Le poumon gauche. Left part of the heart. La partie gauche du cœur. Thyroid, parathyroid. La thyroïde, parathyroïde. Et le cerveau gauche. Now in the right side the same. Left and right side testicle and ovary. Right ovary. Et pour le côté droit, c'est pareil. On commence par le testicule et l'ovaire so, droit. When you contract anus, right side anus, you feel an ascending column. Right kidney, liver, right lungs. Et vous sentez cette colonne ascendante qui passe par l'ovaire ou testicule droit. Puis par le foie et le rein droit. And come up to the right thyroid, parathyroid. Et vont jusqu'à la thyroïde et parathyroïde right droite. Right eye. Right brain. L'œil droit et le cerveau droit. So when you do it, you're very gentle. You feel you guide the energy up. When you contract the perineum, you feel a line of energy go up. Et quand vous le faites de manière doucement, vous contractez le périnée, vous sentez l'énergie qui monte. Now, middle chakra channel. Et maintenant le milieu. So middle line, anus go up to the crown. So it's the vagina. Alors le tunnel du milieu. Prostate gland. Le vagin, la glande de la prostate. And the whole uterus. L'utérus. Aorta vena cava. La veine cave et l'aorte.
And we have the transverse colon. Le colon transverse. Stomach. L'estomac. Heart of the heart. Le cœur. Thymus. Le thymus. Thyroid, parathyroid. La thyroïde, parathyroïde. Come up to the nose. Jusqu'au nez. Pituitary gland. La glande pituitaire. Thalamus. Le thalamus. Hypothalamus. The Dantian Qigong. Le Qigong du Dantian. Now you know as a second brain Qigong. Nous le connaissons maintenant comme le Qigong du deuxième cerveau. Now we know that we have left and right brain. Nous savons que nous avons le cerveau gauche et le cerveau droit. Now it's two brain. Ça fait deux cerveaux. Now we also know that mean in the 4,000 years they don't call brain but they call Dantian. Pendant des milliers d'années, on l'a appelé Dantian et non pas cerveau. So I think this is one of the oldest practice that actually practicing the brain, the Dantian. Je crois Dantian. Que c'est une technique une très ancienne qui travaille sur le Dantian, le cerveau. Okay. So the Dantian is so much involved with the center of the body, and in the Tao always said lower your brain. Down to the heart brain, down to the Dantian brain. Dans le Tao, on dit souvent d'abaisser la pensée au cerveau du cœur, puis au cerveau du Dantian qui se trouve au centre. But they mention by mind. Mais the mind. On utilise la pensée. So they actually talk about three mind into one mind. On parle de trois pensées en une seule. The center is a brain. It's been known for a long time. That means 100 years now in the West. Et maintenant, on sait depuis 100 ans en Occident que le Dantian est comme un cerveau. All the practice in the Tao is so much involved with the lower your center and hold your center, so everything become down. When people emotional, angry, it go up. Alors, la pratique sur le Dantian, d'abaisser sa pensée vers le Dantian, permet d'abaisser. Alors que quand on devient émotionnel, en fait, les émotions montent. So the qi getting too high, and we said he lost his center. Et le qi, à ce moment-là,